Qu'est-ce que je branle? Pauline, on a un problème. Du coup, aujourd'hui, on va jouer à Ghosts and Goblins Resurrection. On joue toujours en difficulté paladin, donc c'est la difficulté la plus difficile. Tout ce que je sais, c'est que là, j'ai débloqué un talent et du coup, je peux faire des trucs, mais je sais plus c'est quoi. Invoque de mur de feu à droite et à gauche, Tarthur. Ok, du coup, je crois que j'ai un mur de feu qui défonce des culs. Vas-y, on va aller dans Cité en cristal. Ça va être du full tryhard, je vais pas passer forcément une très bonne journée. Ok, bon, j'ai déjà un drapeau. Oh, c'est beau par contre, putain. Oh, trop bien la musique. Ok, des chauves-souris. Ok. Alors, aïe. Encore un PV, je suis mort. Oh non mais il y a trop de trucs, c'est bon. Oh quoi? Je savais pas que c'était pas une plateforme moi. On a quand même survécu pas mal, on a survécu 20 secondes la dernière vie, c'est bien. Ça c'est chaud de par là, c'est bien. Mais c'est quoi le chemin que je dois prendre? Je dois monter? Oh, la plateforme s'est pétée sous mes jambes. Ça fait 3 minutes 28 que j'enregistre, j'en ai déjà plein le cul. Y'a que dans les pires situations finalement qu'on voit ce qu'un homme vaut. C'est comme ça qu'on sait à quel point notre gouvernement il pue la merde. Non. Ah oh, c'est méchant ça. Mais ça ressemble aux plateformes, c'est la même couleur. Ah non, ça fait pas mal, ok. Ah, j'ai eu peur. Ah, bah par contre, non, mais c'est terrible. Ah là là là, il m'a vomi dessus. Putain. C'est pas grave, on avance, je suis content. Ok, on avance, on s'en fout. Oh. Oh là là, mais... La petite fée. Non. J'ai juste poursuivi la fée de merde et je suis mort. Non, mais je suis tellement frustré, j'en ai pas besoin des fées. Je m'en bats les couilles, c'est pour avoir des sorts de cons, là. Oh là 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 là, mon dieu, ça me fout les boules, il court vite en plus. Ah non. Non, il tire de boules. Espèce de gros fumier de merde. Faut vraiment que je me casse de cet endroit du chétan là, putain. Attends, là, il y a une plante de merde, ok. Oh non. Elle tire deux fois. C'est comme ma seconde, j'ai fait deux fois. Sale fils de... Ah, j'arrête pas de crever là, c'est terrible. Dans 5 minutes, ça fera une heure. Ok. Dur là, hein. Vraiment vénère ici, hein. Allez hop, j'ai jamais été ici, yes. Allez hop, la zone, je savais qu'elle était ici, putain. Ah, je suis content. En 58 minutes. Ok, là, je comprends. Ok. D'accord, c'est vraiment très compliqué, ça. Ah, mais quoi? Mais quoi? Mais quoi? Mais expliquez-moi comment j'évite. Une fois sur deux, le pic se pète, je comprends pas. Oh, espèce de gros bâtard, va. Je pensais pas que lui, il était aussi développé. Non, mais je vais mourir, c'est sûr. Ah. J'ai eu trop peur. Mais j'ai eu les boules. Expliquez-moi pourquoi là je peux pas le péter et juste avant j'ai pu le péter. Il y a une variation de couleur, je la vois pas. Pourquoi là ça fait rien? Mais pourquoi là ça ne fait rien? Peut-être qu'il y en a qu'un des deux que je peux péter. Ah oui, il y a une variation de couleur, je crois. Oui, oui, il y en a un qui est brisable et l'autre non. Oh putain. Ok, hop. Faut péter les explosions là, hein. C'est vraiment très dangereux en fait. J'en ai un foutu le coup. Je sais pas trop ce que je fais, mais... Non. Non. Je suis sûr que c'était la fin du niveau derrière. Non. Non, il y avait 6 de p***. Oh, nickel. J'en chie, je prends tellement de temps. Ah, vas-y, je rush, j'en ai plus rien à foutre. Allez, je suis mort. Ah, mais je suis mort, bah bien sûr, il y en a eu 3. Dont 2 trucs dégueu, là. Non, 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 dégage. Ok. Oh, attends. Oh, mais. Ok. C'est super dur. Attends. J'en chie, j'ai tellement peur de mourir. J'ai jamais été là, en plus. J'ai pas envie de mourir en tombant ici. J'ai tellement peur. Non. Oh, yes. Oh, je suis pas mort. Me suis fait toucher, mais je suis pas mort. Oh non! Qu'est-ce qui se passe? Y'a pas de checkpoint! Attends, c'est moi, ça se balance à moitié là. Mais y'a un dragon! Mais je vais mourir! Mais qu'est-ce que je fais? Dites-moi qu'il y a un checkpoint, s'il vous plaît. Faut que je saute! Qu'est-ce qui se passe? C'est la fin du niveau? Hein? Je vais mourir, c'est sûr! Je sais pas si j'ai eu un putain de checkpoint! Aidez-moi! Ok, j'ai eu une zone. Juste au-dessus, je l'avais pas vu. Oh mon dieu! Je suis tellement content de savoir que j'ai eu un checkpoint, ça veut dire que je vais pas trop en chier ma race! Je peux t'appeler Dragouninou? Mais qu'est-ce qu'il fait? Ah non, mais il me fait des feintes, ce petit bâtard! Attends, allez, il me faire une feinte, il me faire un truc là. C'est super dur. Quoi? Attends. Qu'est-ce qui se passe? C'est la phase 2? J'ai gagné ou pas? C'est là que ça commence vraiment, c'est ça? Ah, les zigzags! Oh putain! Est-ce que j'ai recommencé la première phase? D'accord! Ah, ça va être un peu plus compliqué que ce que je pensais. J'ai vraiment eu du bol. J'ai vraiment eu du bol là.
Mais non. Mais il est tout petit, il est anorexique. Non. Fils de... Il m'a poussé dans le trou, là. Il me restait un point de vie. Allez, hop, t'es mort, là. Putain, il est pas mort. Oh, oh non, tout se pète. Non, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai envie de dire Tesla. Je sais pas pourquoi. Oh, j'ai eu. Oh, putain. Il y avait des trucs électriques partout. Attends, la clé au-dessus, faut pas que je meure, quand même. Oh, nique bien ta race, dragon de merde, va. Attends, je suis en train de regarder l'arbre de talent. Arthur s'en sort en boule de pierre, écrasant tous ses ennemis sur son passage, mais c'est trop bien ça. Ça veut dire que je suis invincible. Et là, je peux invoquer un doppelganger. Vas-y, go. Attends, du coup, ça c'est quoi? Oh la vache, ça peut faire tellement mal sur les boss, ça. Attends, ça me permet de transformer en pierre, ça? Non mais attends, mais sérieux là? Mais ça veut dire que je suis invincible? Vous vous rendez pas compte à quel point c'est fort ça, hein? Attendez, j'ai déjà fait ce niveau, on va pas le refaire, mais c'est juste pour tester. Caverne occulte, vas-y. Troisième niveau. Ouah, c'est beau. Oh la musique. Aïe. Attends. Je peux éteindre les flammes si je les touche. Le truc c'est que ça m'empêche de voir les ennemis. Oh putain. Ah mais c'est trop dur, je vois rien en fait si j'éteins les lumières. C'est trop réaliste en fait. J'ai aussi un sort, j'ai aussi ça maintenant. Ah, ça j'aime bien. Ah putain, c'est super dur. Vas-y, toi, viens ici. Oh, pourquoi j'étais ralenti de ouf là? Meurs. C'est lui qui m'a ralenti et tout là. Tranquille. Ah, oh, putain. Ah là là, je l'avais pas vu. Vite. Non. C'est le pire sort du monde. Non mais je voulais prendre celui de pire, j'ai fait n'importe. Ce niveau va être sympa. On va bien s'amuser. Mais c'est bon là! Une petite grenouille. Laissez-moi tranquille! Oh non, je vois rien. Je vois rien! Oh, je suis une tortue. Trop mignon. C'est scandaleux à quel point c'est compliqué. Hein. Ok. Oh là là. Oh, il y a des plantes de merde au-dessus là. Quoi? Non mais. Qu'est-ce que c'est dur! En fait, avant c'était le menu enfant, c'était le Happy Meal. Là maintenant c'est le 280. Je donne le diabète. Hop! Oh! Oh là là! Qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Dégage! Bon, il y a de l'amélioration. C'est infernal. Ça s'arrête jamais. C'est comme quand t'es en crèche et que tu dois t'occuper des gamins. Ça s'arrête jamais. T'en as toujours un pour chier par terre là. T'as fait une AOE. Oh, je suis mort! J'ai du mal à me dire qu'ici il faut que je fasse attention parce que t'as une AOE qui prend la moitié de l'écran. Pardon! Ok, j'ai réussi à passer sans me faire toucher pour une fois grâce à la pierre. Mon dieu. C'est pas si compliqué que ça ici. Hein. Oh, je suis mort. Oh putain, parce que j'étais en dessous du truc, fait chier. J'ai jamais été aussi loin. Ça commence à devenir de mieux en mieux, mais c'est tellement compliqué et tellement stressant. Ah putain, chier. Attention, ça va venir là. Ça va venir. J'ai juste envie de mourir en fait. J'ai jamais été là et le premier truc que je fais c'est que je jette dans le feu. C'est terrible. Si je m'étais concentré, je suis sûr que j'avais fini la zone. Oh non! Je suis à 3h22 là, c'est un peu long quand même. Pas vous cacher que je commence à en avoir un peu plein le cul. Ici c'est terrifiant. Non! J'en ai tellement marre de crever comme ça, c'est insupportable. Vous vous rendez compte de la difficulté de ce saut en fait? Ok, c'est bon. Ok, j'ai jamais été là. Non. J'étais vraiment à côté. Hein. Genre, quand je regarde la map, je sais que je suis à côté. Ce qui est trop bien, c'est qu'ici, t'as pas une armure, tu sais. C'est le passage le plus difficile du monde. Genre, la frontière nord-coréenne à côté, c'est rien pour s'enfuir. Non, faut pas que je dise ça. Non. Allez, stop. Pause. Stop. Ok, c'est bon. Je l'ai eu. Yes. Attends, c'est pas fini. Vas-y. Attends. En plus, c'est des bougies magiques, c'est... Ok. Dégage. Non! C'est pas grave. Il y a un trou là! Il y a un trou quelque part ici! Et attendez, deux secondes, je suis ultra stressé! Il y a un trou quelque part là, putain, mais oui! Allez, c'est bon! Non! Non! Il était en saut de fils de pute! Fais chier! Let's go tout se retaper! Yeah! Oh non! Mais vous rendez compte ce que je fais ou pas? Vous rendez compte à quel point je suis fort au jeu vidéo gaming ou pas? Non! 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 Putain!
putain, tu vois pas le bord de la plateforme? Attends, mais ça veut dire qu'on peut allumer? Et que je peux voir où c'est? Oh, j'espère en tout cas. J'ai jamais été ici, Mon cœur il va à 100 à l'heure, dommage que j'ai pas un truc pour prendre mon pouls, mais je suis vraiment en train de stresser ma race là. Ah! Oui! J'ai pris au moins 6h30 à faire ce passage. C'était trop complexe. Oh le dragon! Il y avait un dragon comme ça! Attends, ok. Ça je connais, la mer on la défonce. Ok. Donc là il fait des petits zigzags. Tu veux pas faire autre chose dans ta vie que de faire des petits zigzags, je sais pas. Oh, qu'est-ce que tu viens vous fait? À peine légal. C'est vrai que ce jeu est à peine légal. Comme ce que fait The Kairi d'ailleurs. Mais qu'est-ce que je dois faire, je dois. La lave, je dois la boire? Ah vous en prie. Ah pardon, de pas savoir que ce putain de pic c'est un. C'est chaud là, s'il se passe quoi? Bon bah. D'accord, bah là tu vois, je me suis peut-être sauvé la vie finalement. Oh il a retourné un coup de long, t'as vu? Ah mais il y en a deux! Ah c'est dur ça, hein, putain, mais... Ah mais quoi, il y en a encore un! Ah la pierre, c'est le sang! Écoute, c'est peut-être pas si mal que ça finalement. Oh yes, j'ai réussi! Attends, est-ce que je suis vivant ou pas? Ok, je savais pas si ça faisait des dégâts, je croyais que c'était une plateforme. Hein? Oh, c'est... Non! Non, sérieusement, toi, tu meurs tapé! Ah, j'étais quasiment à la fin. Ok, on est retourné là. Faut vraiment que je prévoie ce qui va arriver. Ok. Non! Mais c'est trop dur! Merci à tous d'avoir regardé ce live, au revoir, merci. Ah, non! Oh yes! Oh là 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 là, c'est bon. J'ai eu tellement peur. J'ai réussi. Fallait sauter, mais comment tu veux que je devine qu'il faut sauter là, espèce de fils de pute? Non mais j'étais trop rapide, comment tu veux que je fasse? Je me souvenais juste qu'il fallait sauter, moi, putain. Mais quel moment je saute? Oh yeah. C'est le boss, ça va quoi? Les boss, c'est toujours simple comparé au reste. Attends. Mais j'ai l'impression de voir le sort du magicien noir dans Yu-Gi-Oh! C'est quoi ce bordel? J'ai tué, allez, c'est bon. Hop, 3 try. Non, c'est pas très compliqué en vrai. Je suis mort 215 fois. Mais ensuite, ça compte pas le nombre de fois où j'ai relancé le truc finalement, tu vois. Parce que des fois, j'appuie sur start et je fais recommencer. Ça compte pas le nombre de rush qui. Citadelle du chaos. Je peux pas faire ça, moi. On va prendre des sorts là. Aura chakré 2. Oh, c'est fort ça! Ça va aussi en diagonale maintenant! Arthur a une chance de ressusciter s'il tombe au combat. Quoi? Quoi? Mais on me l'avait pas dit ça. Je suis en train de retrier mes sorts. Et là, je peux me prendre ça si je meurs. Je ressuscite en combat. Des fois, j'ai une chance. Enfin, first try le prochain niveau. C'est parti. Ah, c'est éclairé, putain. Oh, attends, c'est un peu. Il y a beaucoup de monstres quand même, hein. Il y a beaucoup, beaucoup de monstres, hein. Ah, c'est peut-être pour ça que c'était Citadelle du Chaos, en fait. Mais c'est incroyable le nombre de trucs qu'il y a, tu sais. On se croirait à Paris Games Week, avec les abonnés et tout, là. Après, j'y suis jamais allé ma vie, donc je parle le truc que je sais pas. Mais finalement, c'est comme les youtubeurs, en général, tu sais, on va que sur Wikipédia, nous. Oh, j'ai ressuscité! Et je ressuscite avec mon armure! Incroyable. Mais c'est beaucoup trop fort. Genre ça peut potentiellement me sauver des games et me sauver de la folie. Attends. Ah, il y a deux. Ah, ok. Si je veux faire le deuxième sort, faut que je la charge un petit peu plus longtemps. Bon, ça me paraît logique en vrai. C'est un peu fort sinon. Attends, toi, je peux te tuer rapidement, je pense. Ok. Qu'est-ce que c'est ça? Faut pas que jette un truc dessus, c'est ça? Ouais, ouais. Si je tire sur les yeux, ça me fait apparaître des monstres. D'accord. Ok. C'est pas si compliqué que ça en vrai. Ça va. C'est faisable. Allez, je suis mort. Là, je commence à assimiler le niveau, on va dire. Ouais, là, t'es obligé d'attendre que le truc monte, tu sais. J'ai l'impression d'être dans Mario Maker. Oh, mais j'ai trop joué à Mario Maker, moi. Ah! Oh, voilà, là, y'a pas le choix. Okay. Bon, allez, vas-y. Mais moi, en fait, dans la vie, mon but, c'est de voir jusqu'où je peux pousser mes nerfs jusqu'à devenir fou, en fait. Tant que je deviens pas fou, c'est que je suis pas, finalement, allé assez loin dans la torture psychologique. Et je rigole à moitié. C'est long, hein, de passer plusieurs jours sur un jeu comme ça. Franchement, de faire toujours les mêmes choses et tout, c'est frustrant. Ensuite, la frustration, franchement, elle s'estompe une fois que t'as réussi à faire un truc extrêmement hardcore, tu vois. Tirer en l'air, c'est souvent safe, quand même. Ok. Et je suis pas mort. Avec un peu de chance, je ne meurs pas. Yes. Ok, bon. Je sais pas où je vais, mais... Alors, est-ce que je peux potentiellement survivre ou pas? Je sais pas ce qui se passe, en fait. Là, je suis en pleine panique parce que ça fait au moins une bonne heure que je travaille. Je sais pas quoi faire. Non, mais attends, mais qu'est-ce qu'il veut que je fasse? Ah! Faut que je le tue! Mais en fait, mon perso, c'est un gros bâtard. Mais forcément! Non, mais il arrive à survivre, à pas crever dans l'eau parce qu'il y a un monstre qui le protège. Ah, mais c'est trop dur.
happy. Mais ce jeu de gros bâtard, ce jeu de gros bâtard, le truc est super hardcore et en plus ils te mettent un monstre caché que si tu fais apparaître t'es mort. Mais forcément mon perso tout le monde veut le tuer, il s'attaque à tout. Qu'est-ce qu'elle lui avait fait l'espèce de tortue larve dans l'eau là tout à l'heure? Bah rien. Je suis mort. Non mais je pouvais pas faire autrement, mais... Pauline, on a un problème. J'ai un petit bruit, est-ce que vous allez vous allez trouver? Il éclate un bureau. Alors, par où commencer? Il s'est passé beaucoup de choses là, en 24 heures, enfin en 12 heures on va dire. Alors en fait, ce que vous avez entendu là juste avant, c'était mon bureau en verre qui s'est brisé. J'ai fait un tweet qui a un peu percé, j'ai l'impression qu'en fait il retourne un coup sur mon bureau en verre et il a explosé quoi. Non mais bien fait pour ma gueule finalement. Mais honnêtement, il y a des gens qui me disent putain mais comment il fait pour rigoler de ça, c'est pas drôle et tout machin. Mais il y a pas mort d'âme, c'est bon, me cassez pas les couilles. Dis pas que c'est pas grave, parce que le matériel quand même c'est important de ouf tu vois. Non mais si, le matériel c'est important quoi qu'on en dise aujourd'hui, c'est important. Péter un écran à 500 balles, c'est exactement ce que j'ai fait. Ça casse les couilles et ça me casse les couilles autant qu'à n'importe qui. Mais juste je me dis, ça aurait pu être bien pire. J'avais plein de trucs sur mon bureau, j'avais ma Switch, j'avais mon portable, j'avais deux écrans. J'en ai qu'un des deux qui est mort finalement. Je vois ça, tu vois, je me dis oh putain mais finalement, j'aurais pu ne plus rien avoir. Mon PC aurait pu être en dessous de mon bureau et c'était pas le cas. Dans mon malheur, finalement, j'ai eu de la chance et c'est grâce à ça et en me disant putain mais finalement, c'est peut-être pas si horrible que ça comparé au pire scénario possible. Bah en fait, j'arrive à relativiser, je me dis ah ben ça fait chier, mais au moins j'ai appris quelque chose et j'aurais plus de putain de bureau en verre même si dans l'immédiat, je ne suis pas sûr que la faute soit au bureau en verre. Il s'est pété en petits bouts de verre tellement infimes que tu les vois pas à l'œil nu. Enfin, ça s'est affaissé. J'ai pas l'enregistrement de l'affaissement, malheureusement. Moi, j'ai toutes les images en 4K dans ma tête. C'était vraiment incroyable. Ça faisait 3 ans que j'avais ce bureau. C'était un bureau low cost qu'on avait acheté à l'époque quand on avait pas trop d'argent. Bah, attends, j'ai plein de thunes vu que je suis youtubeur. Je suis content. Si tu te dis, ça aurait pu être pire, t'accepteras mieux les épreuves dans la vie, quoi, tu vois. Je suis pas blessé. J'ai vu pourtant des gens décédés parce qu'ils se sont pris des bouts de verre sur la jambe et ça leur a tranché une artère. Quand c'est arrivé, je me suis mis tout de suite en caleçon parce que j'avais pas mal, mais j'avais bien vu, je saignais un peu et en fait genre j'avais vraiment des taches de sang dans mon pantalon, tu sais, putain. Mais je pense que j'aurais vraiment pu m'éclater, en fait j'aurais vraiment pu me faire très très mal. Il y avait pas un de mes chats sous le bureau, il aurait pu peut-être mourir le chat, tu vois, sans déconner, je rigole pas. Enfin, ça serait hypocrite de dire que le matériel ça compte pas. J'ai une Switch, j'ai plein de consoles rétro et tout, je vais pas dire que le matériel ça compte pas. Oh non mais je suis vraiment nul à chien. Alors pour résumer, je pense que le matériel c'est important, mais ça l'est moins que des dégâts physiques, enfin des fractures et tout quoi. Faut être heureux avec ce qu'on a et même dans la pire des situations possibles, il faut relativiser et même si t'arrives pas à relativiser, faut te dire que des situations de merde ça arrive dans la vie et un jour ça se terminera forcément. Ok, j'ai pas perdu un point de vie, j'ai pas perdu un point de vie. J'aimerais bien que ça dure, je sens mon cœur battre plus fort dans ma poitrine, c'est terrible. Ouais bon, lui il sert vraiment à rien ce fils de pute, faut que je me concentre. Ok, ça se spawn là. Ok, ce shot là. Ok, je suis ultra concentré parce que j'ai un point de vie en plus là. Ok, dès que j'ai le truc, j'utilise, ça va me protéger un max. J'essaye de faire attention parce que je sais pas où va le scrolling, en fait, c'est terrible. Je me suis fait one shot alors que j'avais 2 points de vie. La zone mortelle, à ce moment-là, c'est le haut. Si tu vas en haut, t'es mort, en fait. Abusé. Ça me reste, vous savez, parce que ça va pas fermer la bouche. Mais comment tu voulais que je devine qu'il y avait un monstre qui apparaissait au-dessus, en dehors de la caméra? Ça fait 4 heures que j'enregistre non-stop. Et à chaque fois que tu m'ajoutes des trucs en plus, putain. Oh, j'ai même pas envie de faire de blagues. Mais il était en dehors de l'écran, comment tu veux que je vois? Bon, vas-y, stop pour aujourd'hui. Non! Il était tellement à la fin! J'étais à 80% du niveau, c'est sûr, putain. Oh, fais chier. Ah mais j'ai la pire arme du jeu, je ne peux pas me battre avec ça en fait, je ne peux pas me battre avec ça tout simplement. Attends, j'ai claqué ça, qu'est-ce qui se passe? J'ai jamais été là de ma vie. Non. C'est tellement dur putain. Non. Non. Mais j'ai sauté par panique. Je vous rappelle que j'ai rarement été aussi loin. Ok, je vais vous dire un truc. Le checkpoint était devant. Bon, le problème, c'est que j'ai pratiqué le suicide. Ce sera la dernière fois que je vais ici. Parce que c'est là que je vais y arriver. Je suis res. C'est la fin du niveau. J'ai l'arme aux yeux et je rigole pas. Quelle atrocité. Oh putain. Mais j'ai pas envie de tuer Romit, il est trop mignon.
je suis mort 172 fois, mais il y a les resets qui sont pas comptés. La forteresse de l'ombre. Ça me fout les boules, hein. Vraiment, ça me fout les boules. Je sais pas ce que c'est ce niveau. Bien évidemment, je me fais pas spoiler sur internet. Je me nique ta mère! Mais. Non, mais quoi? Mais. Attends, oh, c'est pas si dur que ça. Ok. Là, il y a Shrek qui est arrivé, il m'a niqué ma race. Attends, qu'est-ce qui se passe? Ok. Ok. J'en ai tué un. Bon, il fait que sauter finalement. Ça va, c'est pas si vénère que ça. Je suis allé loin là, non? Tu vas à droite ou à gauche? Je suis un youtubeur, du coup, je vais à droite. Ah! Quoi? Il est mignon! La plateforme de merde. Ah non, je suis mort. Oh, dès que ça commence à basculer, t'es mort. Okay, attends. Ah, c'est dur, hein. Oh non, mais. Ah, je suis mort. Oh putain. Non. Ok. Bande de fils de pute. Comment tu veux que je devine qu'il y a un port de merde qui va arriver? Ah non, mais là, j'étais obligé de mourir. Putain, dommage. Bon, c'est pas grave, on avance bien, je suis content. Ok. Nice. Il y en a peut-être un deuxième qui va sortir, je sais pas, moi. Putain. J'avais raison, contre jeu, va. Ah, il est gros lui. Il t'a touché. Ok, ah dommage. C'est un monstre ça, non. Non mais je vais mourir là en fait. Ah bon, c'est pas la première fois qu'ils me font des coups comme ça, donc je commence à être habitué. Bon, et puis je me suicide, tu sais. Oh, j'ai réussi à passer, putain. Ok, donc là il tape là lui, d'accord. Ok, il veut vraiment me niquer ma race lui, hein. Ah, il le jette. Et je fais quoi là? Ok, là, il va le jeter sur moi là, d'accord. C'est terrifiant. Je le prends. Et comment je fais? Et je suis mort là. Oh, j'arrive pas à passer parce que lui il me jette ses trucs de merde là. C'est trop dur ici. Je sais pas comment on passe à cause de ce fils de pute. Je peux tirer sur la gueule parce que c'est plus clair là. Je comprenais pas en fait. Attends, je me disais mais c'est pas possible en fait de passer. Ah bah c'est plus facile quand il est mort ce bâtard. Bon allez c'est bon, tant pis. Ah ok, c'est des plateformes ça, d'accord. Ah. Tac. Ah mais comment tu veux que je fasse? Je peux les tuer peut-être, non? Je peux les tuer! Mais pardon de. Ah, puis ça, je peux pas les tuer par contre! L'espèce de couille là! Ok, jamais été là. Ok. Ils sont derrière moi. Oh la vache! Je sais pas quoi utiliser. Parce que les essaims, l'éclair sert à rien. Le doppelganger, c'est toujours intéressant. T'as un gros boss de merde, ok. Oh, mais putain! Je sais pas comment j'ai réussi à passer! Je cours juste depuis tout à l'heure, je sais pas ce que je suis en train de faire! Ah, je vais mourir. Non mais c'est des boss! C'est des boss en fait! Le drapeau déjà! Ça fait 1h13 que j'enregistre, c'est rien du tout! Je suis trop content! Mais c'est pas grave, attends, je peux crever, je m'en bats les couilles! Oh, j'ai juste couru comme un con à la fin et c'est passé, j'en reviens pas! Je savais même pas quoi faire, j'ai juste couru! Qu'est-ce qui se passe? Attends, c'est le boss de fin? C'est l'avant-boss de fin? Oh, il est dégueulasse, hein. Oh, qu'est-ce qu'il est moche. Bon, aïe, ok. Oh la vache, putain de merde. Ah, mais il casse les couilles. Mais ça va, je survis bien, sans déconner, je suis content. Un peu stressé, mais c'est ok. Ah, fais chier, j'ai sauté sur le truc, quoi. Oh, reste, putain, yes. On va se mettre là, hein. Allez, vas-y, crève, là. J'ai gagné, yes. Yes, il est mort. Alors. D'accord, c'était pas le boss de fin, du coup. Ah. Ok. Non mais attends, pourquoi il ressemble à Emmanuel Macron le boss un petit peu? Mais si, regardez sa gueule. Ah, c'est le couvre-feu jusqu'à 19h. Ah d'accord, il m'en tire deux maintenant. Ah, un dragon. Ah non mais attends, mais mec, c'est bon. Eh, on est au boss de fin quand même. Y'a pas un couteau là? Allez hop. C'est bon, mais même le jeu il veut que je gagne. Il en a marre que je joue, c'est bon. Non mais on dirait une caricature de Macron le boss, je suis désolé. Je suis obligé de payer mes impôts cette année du coup. En tout cas pour le moment, je trouve que le boss est plus simple que celui d'avant. Du coup avant c'était Castex. J'ai déjà tué? J'ai fait 3 tries, hein. Non, il est pas mort. Il est dégueu, hein. Je remets le couvre-feu! Oh! Attends, c'est elle? C'est la princesse qui s'est fait kidnapper au début? Attends, ça y est? Non. Non, c'est fini. Non, c'est vraiment fini, là? Non, mais attends, mais je croyais que fallait que je finisse le jeu deux fois et tout. Sur la version Super Nintendo, c'était comme ça. J'ai fini le jeu en paladin! Capcom! Franchement, vous devriez me donner de l'argent. Franchement, non, mais sans déconner! J'ai fait une putain de pub à votre jeu sur Twitter en éclatant mon bureau. Hein? Et j'ai aucune marque qui m'a contacté pour me payer un bureau! Ça sert à quoi d'avoir souffert? Il y a 3 petits points. Pourquoi? Ça, si je refais le jeu, je arrête le jeu là tout de suite. Attends, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a ça là? Me dis pas que le jeu devient plus dur? Attends, mais c'est une blague. Attends, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui pour cette vidéo, mais il y a les niveaux, mais en mode ténèbres maintenant? Non, mais attends, me dis pas qu'ils ont refait les niveaux encore plus compliqués. Ah non, je suis mort. Non, trop dur. On arrête là pour aujourd'hui. Peut-être si cette vidéo marche bien et qu'elle vous plaît, je ferai la suite.
Abonnez-vous, likez si vous êtes gentil. Et sur ce, je vous fais gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Et portez-vous bien.